Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de Screenshot Tuto. Il y a quelque temps, je vous avais présenté une vidéo concernant OneNote et j'avais promis de vous parler d'Evernote qui est son équivalent en version gratuite. Eh bien, Evernote est un programme que vous pouvez télécharger ou que vous pouvez utiliser en ligne. Voici le lien qui sera dans la description. Il vous suffit de vous inscrire, l'inscription est gratuite et de vous connecter à l'interface. À l'heure où je parle, c'est-à-dire en octobre 2018, il y a trois offres possibles concernant Evernote. La version basique qui est gratuite, celle que nous allons nous utiliser, la version premium qui est à 5€ par mois et la version business. Alors, vous avez des fonctionnalités qui sont accessibles bien sûr en plus sur la version premium ou business, mais la version basique nous conviendra. Voici à quoi ressemble une note. Donc là je suis dans mon classeur concernant les jeux vidéo et notamment Minecraft. Et vous voyez qu'on peut y mettre des liens, hypertextes, des images et des liens vers des vidéos. Nous allons ensemble faire une note pour que vous puissiez voir comment ceci fonctionne. On appuie sur le petit plus. Je suis dans mon carnet de notes Minecraft. Eh bien, je vais créer une note concernant la prochaine vidéo qui sera sur les enchantements. Et ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chercher des liens hypertextes pour ma documentation, des liens internet. Donc là, si je fais une recherche Google sur ce qui m'intéresse. Je fais très rapidement, hein, bien sûr, vous prendrez le temps de regarder toutes vos sources quand vous créerez une note et de ne pas prendre la première qui vient, comme je le fais moi-même. Et bien, une fois que j'ai trouvé ma source, je copie le lien et je fais un CTRL-C, CTRL-V pour coller cette note dans mon classeur. Il y a d'autres fonctionnalités sur Evernote qui sont intéressantes, notamment tout ce qui est le partage. Vous voyez, vous pouvez envoyer la note sur différentes interfaces. Et lorsque vous cliquez sur vos liens, on vous demande si c'est bien ce que vous voulez faire. Il y a des petites astuces lorsque vous utilisez cette interface. Voilà, c'était simplement pour vous présenter Evernote. Dites-moi si vous l'avez essayé et ce que vous en pensez. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, un like, abonnez-vous et actionnez la cloche.